le maître de stage accompagne le jeune dans son projet professionnel, dans son travail. Il lui fait découvrir les différentes facettes de son métier et lui explique les différentes raisons de son choix stratégique pour pérenniser le développement de son exploitation. Au cours des stages en élevage laitier, les stagiaires ont l'occasion de découvrir d'autres productions. Ils peuvent s'épanouir dans des domaines différents de ce qu'ils connaissent. Bonjour, donc je m'appelle Guillaume Boulet, donc je suis élève de la maison familiale. Donc j'ai passé mon brevet, ensuite j'ai passé mon BEPA et maintenant je suis en bac pro. Donc j'ai choisi l'alternance parce que l'école c'est pas mon fort, même si je suis pas tout à fait mauvais. Mais mon objectif c'était d'apprendre le métier sur place et en même temps d'aller à l'école pour apprendre de la théorie. Est important aujourd'hui avec les structures qu'il y a maintenant. Donc en stage, je m'occupe de l'alimentation, de la génétique, des cultures, des papiers quand il y en a à faire, comme exemple le contrôle laitier, la comptabilité. J'envisage de passer mon bac pro et ensuite je suis en hésitation, soit de passer le BTS parce qu'aujourd'hui je me rends compte que pour être agriculteur, il faut des connaissances théoriques assez importantes. Ou soit de m'installer directement, parce que j'ai appris pas mal pendant mon alternance. Moi, je m'appelle François Léon, j'ai 23 ans. J'ai fait mon BEPA en maison familiale, bac pro en maison familiale. Et je me suis installé il y a 2 ans avec mon père en GAEC. Donc là, aujourd'hui, nous, on a 630 000 litres de lait, 130 hectares et 260 tourillons présents. On en cile environ 80 hectares de maïs. Là, en ce moment, on a 90 vaches présentes sur l'exploitation. Depuis peu, on a installé le robot de traite. Ça fait 2 mois et demi que c'est en route. Chose qu'on s'est décidé là-dessus avec mon père par rapport au gain de temps de travail. Le fait d'avoir des stagiaires, enfin d'accueillir des stagiaires, ça permet de dialoguer, d'échanger et c'est plus sympa, quoi. Le maître de stage accompagne le jeune dans son projet, dans son travail et dans son environnement pour qu'il s'épanouisse dans des domaines différents de celui qu'il connaît.